L'histoire de la Loire, c'est avant tout une histoire de copains. Christophe, Thierry et Thomas, de grands gamins qui jouent un soir aux apprentis sorciers et tentent de percer les mystères du célèbre cola américain. On s'est dit qu'on allait essayer de faire quelque chose de sympa pour s'amuser dans un premier temps, parce qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas de seconde idée, et puis finalement, je crois que de fil en aiguille, on a pas mal réussi. Et c'est ainsi que naquit le Loire Cola, dans la cuisine de ce restaurateur qui cherchait de bons sodas à mettre sur sa table. On était face à un mur, il n'existait pas d'offre, on ne pouvait pas acheter de produits avec une notion de terroir et en 100% naturel. Donc les colas qu'il existe dans le commerce, le Brest Cola, toutes les concurrents au Coca-Cola, c'est que des copies finalement. Des produits 100% naturels et 100% local, c'est rapidement devenu l'ambition de ce jeune chef d'entreprise. En 6 mois, il crée 11 produits différents et joue la carte du local jusqu'au bout, avec un slogan étonnant, la Loire en bouteille. Et pour justifier une telle appellation, il lui fallait donc une eau un peu spéciale. Il l'a trouvée dans le sud du département. On se rend donc dans le village de Saint-Hippolyte. C'est l'unique source de l'Indre-et-Loire. C'est une nappe phréatique qui fait 5 départements qui passent sous la Loire. Donc c'est vraiment de l'eau de la Loire qui est filtrée par le calcaire. Donc l'intérêt, c'est de travailler avec cette eau-là. Donc là, on va aller chercher une citerne d'eau pour réaliser du cola, le Loire Cola. Maintenant, je fais un cola et je peux le dire fièrement qu'on est les seuls à faire un cola régional avec une vraie notion de terroir à l'intérieur. Il est facile de prendre l'eau du robinet n'importe où, de rajouter une base que Coca-Cola vend ou que Brest Cola vend et de dire qu'on a une notion de terroir, ce qui n'est pas vrai du tout. Les vergers de la Manse, du côté de Sainte-Maure-de-Touraine, 15 hectares de fruits exploités par une petite entreprise familiale à laquelle Christophe Germain s'est associé. Ici, il produit tous ses jus de fruits. Aujourd'hui, ce sera la tomate, du Val-de-Loire, bien sûr. La maturité peut changer, la variété change, donc le goût change et il faut ajuster au niveau du sel, au niveau du jus de citron pour avoir un bon équilibre et avoir un jus gustativement bon. Nous, on ne cherche pas sur nos jus de tomates à avoir une régularité sur le goût. C'est jamais la même tomate qu'il y aura dans la bouteille. À chaque fois, on respecte la saisonnalité des tomates, on les a achetées. Donc il y a une maturité qui est différente en fonction de la saison et on essaye toujours de respecter cette saisonnalité-là. Sans jamais rajouter un seul conservateur ou produit chimique, Christophe a produit ici 20 000 bouteilles en moins de 3 mois. Un partenariat qui lui permet de rester dans le Val-de-Loire et de promouvoir de petits artisans comme Bastien. Lui aussi compte bien y trouver son compte. Je suis en réflexion d'investir sur la gazéification, que là Christophe ne fait pas chez moi mais fait dans les Charentes. Ça va me permettre justement d'étendre ma gamme et je serai là dans le coup le seul dans l'Indre-et-Loire et voire le seul dans le centre France. Et pour assurer le succès de sa petite entreprise, Christophe a su développer une stratégie marketing efficace. Au cœur du village de Saint-Hippolyte, dans l'unique bar du bourg, les clients n'ont pas encore changé leurs habitudes. Pourtant, la patronne a déjà adopté les produits de Christophe Germain. Oui, j'ai goûté. Pour moi, c'est très bien. C'est très bien. Il y a des choses qui sont intéressantes, du style le jus de fruits gazéifié. C'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes à l'apéritif de quelque chose qui ressemble à un vin pétillant. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui. Comme promis, hop, un petit présentoir pour mettre les produits. Oui. Ça, fait avec les petites caisses à pommes du Val-de-Loire. Okay. Donc pour mettre en avant les produits. Il y a marketing, mais il y a réalité derrière quand même. Puisqu'on peut faire plein de pubs et vendre des choses qui ne sont pas vraies dans la bouteille. Mais à chaque fois, on a essayé de faire un beau projet marketing avec un beau logo, avec une charte graphique un peu rétro pour rappeler le nom de la Loire. Donc c'est vraiment à chaque fois... On a notre idée, mais derrière, c'est respecté dans la bouteille et c'est l'essentiel. Quoi. Autre lieu, autre cadre, le restaurant gastronomique des Hautes-Roches à Rochecorbon. Il fait aujourd'hui goûter au chef et à son sommelier sa dernière création, le cocktail de Loire. C'est très bon, c'est frais, c'est rafraîchissant. Ouais. Petit côté fraise qui ressort.
mais c'est pas non plus c'est pas envahissant, le côté alcoolé est juste, juste ce qu'il faut au point de vue fraîcheur. Non, c'est idéal pour un début d'après-midi. Voilà. C'est les goûts d'antan, enfin l'antan il est vachement récupéré le mot en ce moment, mais un peu trop d'ailleurs par André. Mais ça rappelle la limonade, elle est extra. La limonade, c'est la limonade quand moi j'étais gosse, et ça c'est magique. Authenticité et terroir, les valeurs revendiquées par Christophe et sa Loire semblent coïncider avec celles que nous attribuons à la Loire. Dommage que la principale intéressée ne puisse nous donner son avis.